voir. Et ce chantre, il a une particularité, c'est que sa vie a été marquée par beaucoup, beaucoup d'épreuves. Il a connu la souffrance, il a connu la misère, il a connu la faim. Et c'était une bonne raison pour lui pour en vouloir à Dieu, parce que ça nous arrive souvent, lorsque nous souffrons, d'en vouloir à Dieu. Mais bien au contraire, c'est là qu'il a tiré sa force, pour s'attacher davantage à Dieu. Et vous allez comprendre, ces chants sont des témoignages. Et aujourd'hui, le message qu'il a laissé avant de venir, il a dit comme ça, que j'aimerais que toutes les personnes ici dans cette salle, parce que nous avons tous nos problèmes, mais il souhaiterait que la prochaine fois que vous allez le voir, que vos problèmes soient un témoignage. Alors, je vais juste vous demander, quels sont ceux ici qui connaissent le chant de Nestor David, Jésus a ressuscité, s'il vous plaît. Nous, on n'est pas des appelés, mais on va chanter un peu. Nous, on est des chanteurs pour Dieu. Mais il aime bien ça. Alors, on va se lever, on va appeler le chant de façon très spéciale, pour une fois. Nous, on va chanter et le chant va venir. Habituellement, il chante pour venir vers nous, mais cette façon, on va chanter pour l'appeler vers nous. Amen. C'est Dieu qui prend le contrôle. C'est Dieu qui veille.
merci pour votre présence. Qu'est-ce qu'on peut balancer les mains comme ça? J'attends.